Moi, c'est V. Moi, c'est V. Moi, c'est V. Moi, c'est V. Petit anesthésiant. Je les tarasse. Tout va bien, Hermano? Un connard a essayé de me braquer. J'en suis occupé. Qui ça? Un gars du coin? Tu crois vraiment qu'un gars d'ici s'en serait pris à moi, Pépé? Écoute, Ville, j'ai un souci. C'est sérieux, cette fois. Hé, Crash, qu'est-ce qu'il y a, cette fois? C'est Kirk. Je lui dois du fric. Il a dit qu'il allait me péter les jambes si je payais pas demain. Et c'est pas le genre à déconner. Il a les cartels derrière lui. T'as fait affaire avec Kirk? Même les rats de Haywood s'approchent pas de ce putain de rapace. Mon frère venait de sortir de tôle. Je voulais l'accueillir en héros. J'ai merdé, V, je sais. Ah, quand est-ce que tu vas apprendre, Pépé? Dis-moi au moins que ton frère va bien. Comme d'habitude, tu sais. Alors, tu peux m'aider? Je vais parler à Kirk. Et toi, tu me devras un service. C'est un bon garçon. Tu me sauves la vie. Il est juste un peu partout. Vraiment. Les démons le suivent. Il s'arrache son âme. Mais je lui dirai que vous regrettez. Et que vous voulez faire la paix. Salut, Kirk. Il faut qu'on se parle. V, ça fait une paye? Vas-y, Crash, de quoi t'as besoin? Pépé m'a demandé de venir te parler. Quoi, il a peur de me rembourser lui-même? Dis-lui que je vais pas le mordre. Pour l'instant. Il te doit combien? Désolé, secret professionnel. Alors je vais juste te dire... beaucoup. Un vautour avec des principes? C'est trop beau pour être vrai. Alors, joyeux putain de Noël, mon poussin. Fous-lui la paix, d'accord? Il va te payer. Il a juste besoin d'un peu de temps. J'ai la gueule d'un mec qui fait la charité. Quand t'empruntes des édits, tu les rembourses, avec les intérêts. C'est comme ça que ça marche. Tu veux que je lâche la grappe à un crétin de Moudup qui a pas foutu de payer ses dettes? Non,
Je veux que tu le lâches parce que je te le demande. Tu me connais, je suis un homme d'affaires. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est... qu'est-ce que j'ai gagné? Les affaires, ça va dans les deux sens, je comprends. Je te devrais un service. C'est tentant. Et j'ai déjà une idée, Premios. La caisse Premios sur cette page. Il n'y en a que quatre comme ça, Night City. La première appartient au directeur régional de Refin. La deuxième au maire Ryan. La troisième à un loueur. Et la quatrième? Elle sera bientôt à mon client. Enfin, dès que tu l'auras fauché pour moi, je veux dire. Si je fais ça, tu effaceras la dette de Pépé? Mais bien sûr, je tiens toujours parole, tu me connais. Il n'y a pas plus simple. Tu piques la refill pour moi, et j'efface l'ardoise de Pépé. Je te filerai même un petit bonus parce que je suis un mec sympa. Mon pote Rick bosse dans un parking près de l'Embers, le club où le conducteur de notre refill aime se relaxer. Il y est tous les vendredis soirs à la même heure. Dès que t'arriveras, les caméras de surveillance s'éteindront, et la grille s'ouvrira. T'auras plus qu'à monter dans la caisse et à te barrer. C'est tout con. Et comment je suis censé faire? Je m'allonge sur un skateboard, je glisse sous la bagnole, je branche deux fils et boum, c'est réglé. Kirk, les caisses de ce genre ont des systèmes de sécurité de malade. Ce truc fonctionne comme les clés que les techos de Refield utilisent. Il ouvre les verrous et il contourne les systèmes d'identification. Un passe-partout pour toutes les Refields de la ville? Arrête, Kirk. Même toi, t'y crois pas. Les magiciens techos de Kabuki vendent des trucs encore plus dingues sous le manteau. Fais-moi confiance. Alors? C'est bon pour toi? T'as intérêt à tenir parole, Kirk. Du calme, V. Tu vas t'en mettre plein les poches aussi, tu sais. Va à l'Embers, dans le Glen. Rick t'attendra dans le parking. Je suis sûr que vous allez bien. Bonne chance, alors. Pas droit à un combat pour les J'avoue, je peux me le permettre. Il a coûté chez Hernandez. Si tu savais. Enfoiré. C'est pas gros, l'argent. Hé, je vois aucun citron ou citron vert. C'est quoi ces conneries? Parle aux gens du Santo. Dis-leur de se tenir prêt. D'accord, Patrick. Tiens, tiens. Regardez qui voilà. Fais, ça fait un bail. Je savais pas que t'étais dans le coin. Ouais, home sweet home. Je suis rentré d'Atlanta il y a quelques semaines. Je vois que t'as eu droit à un accueil maison. C'était comment dans l'Est? Je te raconterai plus tard. J'ai un truc à faire, là. Si tu me racontais maintenant, on va te déposer. Marcus, on y va. Où est-ce qu'on va? Dans le Glen. Dépose-moi à l'Embers. T'es fin? Prends la bretelle derrière le bar. Je te dirai où t'arrêter. T'as entendu, Marcus. Le retour à Night City s'est bien passé. T'as déjà du boulot. Des plans par-ci par-là. Rien de très gros. Mais je m'en sors. C'est gentil de t'inquiéter. Alors, ça a pas marché comme tu voulais à Atlanta, hein? Je suis de retour, comme tu vois. Si ça avait été mieux là-bas, je serais resté. Tu sais, c'est peut-être mieux comme ça. Qu'est-ce qui se passe?
les affaires. Terme. Sébastien Ibarra. C'est mon jour de chance, on dirait. Qu'est-ce que tu veux? Qu'on règle cette histoire. Une fois pour toutes. J'ai une offre à te faire, papy. Alors, écoute bien. Tu te tires de Vista, et tu retires tous tes connards de la rue. Je te file le Glen, et on n'en parle plus. Tu pourras enfin dormir tranquille. T'as vu? Je suis sympa, non? Dis alors, un mot de plus, connard! Te mêle pas de ça. Je te connais pas. Moi non plus, je te connais pas. Ça veut dire que t'es personne ici, et que tu vaux que dalle. Alors? T'as fini? Je crois bien qu'il n'y a rien à ajouter à cette conversation. Fais gaffe, Padre. Tu sais jamais qui te pointe un flingue dans le dos. Pareil pour toi, petit merdeux. Vas-y, Marcus. Je suis content de voir que t'as pas oublié tes racines. Que t'as toujours la flamme. Il y a tellement de petits merdeux dans le coin. Ils sont peut-être trouillés dès que ça voit le canon d'un flingue. C'était qui, lui? Personne d'important. D'ici une semaine, il aura disparu, et quelqu'un d'autre prendra sa place. Il t'a menacé avec son cracheur? Je veux. Et il va le payer, ça, tu peux me croire. Arrête-toi là. C'est bon. Je vais descendre ici. Tiens, avant que tu y ailles. Ton numéro? Ça pourrait te servir. On pourrait peut-être rebosser ensemble et rattraper le temps perdu. Ouais, merci, Padre. Je dois y aller. Que Dieu te protège. Non, mais c'est pas vrai! Sur place. Je vais rejoindre ton gars. Rick, c'est un bon. Tu verras. Tu fais confiance comme un frère. Hey. Je peux faire quelque chose pour toi? C'est Kirk qui m'envoie. Je sais. Les caméras sont HS. T'as 20 minutes. Au boulot. Kirk, je vois la caisse. À toi de jouer, petit. Bonne chance. C'est le moment de tester ta super tech magique. Ta confiance me bouleverse. Tu vois, on est riche. Maintenant démarre là et appelle-moi quand tu seras sur la route. Je te dirai où aller. Wow. Eh ben, on dirait que ça va le faire. Descends. Quoi? Descends de cette caisse. Waouh. Fais chier! Tu sais conduire. Maintenant descends. Hé, hey, qu'est-ce que tu fous? Catch une guidance. Pas au geste! C'est fini pour vous! Restez où vous êtes! Les mains en l'air! Pas de gestes brusques! À plat ventre, enculé! Allez! Jackie Wells, mon vieux pote de Haywood. T'as toujours pas retenu la leçon à ce point. Hey, officier Stins. Ça fait un bail, hein? C'est inspecteur Stins. Même merde. En parlant de merde, je reconnais ta gueule. Ah ouais?
La vôtre me dit rien. T'étais parti chercher le bonheur à Atlanta. Faut croire que tu l'as pas trouvé. J'ai toujours dit que la vermine de Haywood avait le même cycle de vie. Vous naissez, vous vivez, et vous crevez ici. Faut croire que j'avais raison. T'as perdu ta langue ? Bon, et maintenant, il se passe quoi ? Maintenant, vous allez au trou. Bande de rats. Allez, quoi, Austin, soyez sympa. Si vous nous bouclez, on va se tourner les pouces jusqu'au procès. Et après ? Au pire, on prendra quelques mois. Le trou est plein à craquer en ce moment, alors à tous les coups, on sortira en avance. Ce sont eux, les voleurs ? Merde, les raclures de bas étage ? On les a appréhendés, monsieur Fukioka. On les emmène au poste. Pas la peine, c'est inutile. Je n'ai vraiment pas de temps à perdre avec un témoignage ou une enquête. Quoi ? Dois-je les relâcher, monsieur ? Je suggère de les balancer à la mer. Menottés et les jambes brisées pour être sûr qu'ils restent au fond. Exécution. Et merde. Bande d'enfoirés. Pour être honnête, pendant une seconde, j'ai cru qu'on allait peut-être pas s'en tirer. Putain, moi aussi. Stins, c'est pas marrant. Mais au moins, il lui reste un peu d'honneur. Tu crois vraiment que c'est son honneur qui nous a sauvés ? Ouais. Enfin, ça le fait qu'il soit de Haywood comme nous. Si je m'étais pas pointé, tu te baladerais dans Night City en refilt, là. Bah, arrête. Ce job était moisi depuis le début. Même la tech au black de Kabuki peut pas déjouer une alarme comme ça. J'aurais dû me douter que les flics me tomberaient dessus. Va savoir. C'est peut-être la volonté divine. Jackie Wells. V. Je te connais, toi. Tu traînes au Coyote, non ? Ouais, c'est au Coyote qu'on m'a proposé de voler cette caisse. Kirk. Tu bosses avec ce Radego ? Pépé lui doit du fric, mais il est fauché, alors j'ai proposé de l'aider. Il tourne pas rond, Pépé. Pourquoi il laisse un mot dupe comme Kirk le traiter comme ça ? T'es pas au courant ? Il a le soutien des cartels. Les cartels ? Non. Je connais les types des cartels, et je peux t'assurer qu'ils ont jamais entendu parler de Kirk. El cabron. Je vais lui apprendre qu'on baisse pas les gens de Haywood. Allez, viens. On va grailler un truc. Quoi ? Comme ça ? J'avais ton crasheur collé sur la tempe, y a pas si longtemps. Si t'aides mes potes, ça veut dire que t'es réglo. Sans rancune ? Sans rancune. J'ai un bon pressentiment. Sur quoi ? Sur nous. Je sens un genre d'alchimie, pas toi ? Allez, viens. Je crève la dalle. Ok, pour la bouffe. Je te suis. Hello, Night City ! C'est Stanley qui vous parle, et c'est une nouvelle journée qui nous attend dans la Cité des Rêves ! J'adore notre bonne vieille ville. Je l'aime comme on peut aimer une mère qui vous a chié 20 ans plus tôt devant un orphelinat et qui vous arrête dans la rue pour vous demander une clope. Chaque jour, une centaine de personnes débarquent ici, mais moins de la moitié de ces pommards survivra une année, et encore, si l'année est bonne. Pourquoi ils viennent tous à Night City, alors ? Eh ben, pour devenir un samouraï des rues comme Morgan Blackhand ou Wayland Boa Boa. Plus on prend de risques, plus on peut gagner gros. Hein, c'est ce qu'on dit, en tout cas. Mais on peut pas rester autant très longtemps. La vie se consume vite quand on la brûle par les deux bouts. Wouh ! Ou alors, quand on se prend une balle. La plupart des légendes de cette ville, vous savez où elles sont aujourd'hui ?
au cimetière! Peu importe d'où vous venez, peu importe par où vous commencez, ce qui compte, c'est le chemin que vous allez suivre! À Night City! La cité des rêves! La fille qu'on cherche est quelque part dans ce bâtiment. Ça doit être le repère des Penderos qui l'ont kidnappé. Ouvre grand les yeux et les oreilles, ok? Ça me fait penser. J'ai un petit cadeau pour toi. Un éclat d'entraînement de Militech. Si jamais tu veux te remettre à niveau. Ça te dit un petit exercice de tir en VR? Ok, pourquoi pas. Nous allons commencer par un entraînement aux bases du combat. La séance sera enregistrée à des fins d'évaluation. Ce parcours vise à renforcer vos fondamentaux en matière de combat et à aiguiser vos réflexes. Les compétences que vous apprendrez ici vous permettront de survivre et même de briller sur le terrain. Je vous apprendrai à utiliser des armes, des techniques d'infiltration et des moyens de pirater les réseaux de l'ennemi. En d'autres termes, vous allez apprendre tout ce qu'un parfait petit esclave doit savoir pour servir ses maîtres corpaux. Ils sont nuls en codage chez Militech. Par contre, la formation de Troufion, c'est leur truc. Bref. Poste 1, la bleusaille. Et hop, pas de course. Allez! J'espère que t'es prêt à te bouger les fesses. On va se faire une petite séance de tir tactique. Histoire de s'échauffer. Ouais, je me doutais que ce serait pas trop dur pour toi. Qu'est-ce que tu dirais si on pimentait un peu les choses ? Pas mal. Mais pour que ça fasse vrai, il faudrait que la cible riposte. Reste pas planté là, mets-toi. T'as été touché. Utilise un réanimateur pour te rafistoler. Rends-toi dans la zone d'entraînement quand tu seras prêt. T'as vu? Il est venu avec des thunes cette fois-ci. Tu sais quoi faire, mais... sur la plateforme pour passer à la suite. Pour la suite, je te propose du piratage. Tu verras que j'ai légèrement modifié le matériel pour le cours. Bon, on y va ou quoi ?
Ce module d'entraînement t'apprendra. Fais déconner l'écran en le piratant pour distraire le garde. Concentre-toi. Et l'écran, en le piratant pour distraire le garde. Corpo ordure. La forme avant le fond. Bien. Maintenant, neutralise-le discrètement. Bien. Il est à toi. Neutralise-le. Attention, il vaut mieux éviter de laisser des traces de ton passage. Et surtout, des cadavres. Ramasse le corps et va le planquer quelque part. Ok. Maintenant, essaie de l'éliminer d'un coup bien placé. Tu te sens prêt à pirater des pommards en temps réel? Éclate-toi! Vas-y, fais péter la grenade. Toi, suffisait que tu débranches ton cerveau et que t'obéisses aux ordres, façon Militech. Sous mes ordres avisés, t'es un vrai... Plutôt réussi. J'ai d'autres modules au cas où tu voudrais peaufiner d'autres compétences. Sinon, tu peux y aller. Mais fais attention. Dans la rue, t'auras pas d'avertissement ni de deuxième essai. Bon, on y va ou quoi ?